Salut à tous, c'est Baisanka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information sur un gameplay GTA V. Donc hier soir certains ont pu le remarquer, peut-être pas tout le monde vu que c'est quand même arrivé assez tard, mais vers minuit il était quasiment impossible de se connecter au PSN. Donc les plus chanceux qui étaient connectés avant ce petit problème ont pu jouer, et encore par exemple Soso qui jouait à Trial Fusion, ça l'a carrément fait quitter le jeu. Donc le PSN indisponible et des personnes ayant acheté des jeux sur le PS Store qui se sont retrouvés un peu, on va dire, dans la merde avec un petit cadenas sur le jeu et qui ne pouvaient pas jouer, sans doute dû au PSN indisponible. Donc en cherchant un peu, on a pu découvrir, on va dire, que ce serait peut-être le retour des Lizard Squad. Hier, sur un nouveau compte Twitter, une personne s'est fait passer pour un Lizard Squad. Pourquoi s'est fait passer? Tout simplement parce qu'on n'avait pas encore de preuves. Tout le monde peut créer un compte et s'appeler Lizard quelque chose. Mais lui, comme les anciens comptes des Lizard Squad, a annoncé que le PSN serait down. Donc regardez, je vais vous mettre tout de suite les tweets à l'écran. Ici tout d'abord, ils nous disent nous devrions faire une autre visite au serveur de Microsoft et de Sony. Donc à mon avis, par refaire une visite, ils veulent annoncer donc sûrement des nouvelles attaques. Ensuite ici, ils nous demandent si on arrive à se connecter au serveur du PSN. Donc là aussi, rappelez-vous, c'était un peu, on va dire, le procédé des Lizard Squad. À chaque fois, ils nous demandaient si on arrivait à se connecter sur une plateforme pour ensuite, une heure après, nous annoncer donc que les serveurs, par exemple, du PSN ou du Xbox Live étaient déconnectés. Et donc là, c'est ce qu'ils ont fait, regardez, à la même heure, PSN Login Server, Offline, Lizard Squad. Donc ils ont redéOS les serveurs et c'était impossible de se connecter. Ici ensuite, regardez, ils sont même amusés un peu, on va dire, à foutre de la gueule de PlayStation. Là, ils ont mis un petit tweet en nous donnant justement le Twitter de ASK PlayStation où tout le monde allait râler. Franchement, j'ai lu des commentaires, c'était vraiment pas joli à voir. Donc ils s'amusent même un peu à les troller. Ensuite ici, ils nous disent qui sera les prochains. Et ils finissent en nous disant donc qu'ils ont arrêté les attaques sur les serveurs et qu'ils attendent des nouveaux ordres. Donc là ensuite, au même moment, des personnes sont venues me voir sur Twitter en me demandant pourquoi ils n'arrivaient pas à se connecter sur le PSN. Moi je leur ai répondu une heure après donc que les Lizard Squad ont tweeté qu'ils avaient arrêté d'attaquer les serveurs. J'ai réussi à me connecter, mais à mon avis les serveurs n'étaient pas encore totalement remis. J'ai réussi à me connecter au PSN, mais sur GTA j'ai pas réussi à télécharger les fichiers pour pouvoir jouer en mode online. Donc vous, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Pensez-vous que c'est les Lizard Squad qui reviennent? Imaginez s'ils viennent nous refaire chier pendant le DLC des braquages. Franchement, à mon avis, on va être pas mal déçus et ça va faire chier pas mal de personnes. Dites-nous tout ça en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça sera la récompense. Moi, je vais vous laisser sur ces images. Je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde. Your motherfucking hashtag!